الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, dans quelques jours à peine, le croissant de lune indiquant l'entrée du mois de Ramadan va faire son entrée et ainsi nous allons rentrer dans le meilleur mois de l'année. Qu'Allah Ta'ala fasse que ce mois soit une source de foi et de bénédiction et surtout qu'il en fasse une cause pour nous épargner de cette épidémie. À l'occasion, j'aimerais adresser quelques messages à différents types de musulmans concernant certains sujets que l'on trouve dans le verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala a dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ » Celui parmi vous qui est malade ou en voyage « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرْ » devra donc rattraper les jours manqués plus tard. Donc là on parle de ceux qui sont malades ou en voyage durant le mois de Ramadan. Ils ont donc le droit de ne pas jeûner. Puis Allah dit « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ » Et quant à ceux qui en sont capables, qui en ont la capacité, alors ils verseront une rançon qui consiste à nourrir un pauvre. Et on reviendra sur ce verset plus tard, inshallah ta'ala. Donc, première partie du verset, Allah ta'ala dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا » Celui parmi vous qui est malade. On comprend donc à partir de ce verset-là qu'il est permis pour le malade de ne pas jeûner. C'est une permission qui lui a été faite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il est très important de préciser qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type de maladie. Car il y a la maladie grave et la maladie légère. Quand on parle de maladie qui donne le droit au malade de ne pas jeûner, déjà premièrement on parle de maladie temporaire. Quant à la maladie incurable qui ne s'arrête pas, on en reparlera par la suite, car elle a un jugement particulier. Donc celui qui est touché d'une maladie spontanée, temporaire, de laquelle il espère une guérison. Cette maladie-là, il faut qu'elle soit, entre guillemets, forte, qu'elle soit grave. Une maladie, si jamais on jeûne, eh bien on va mettre son organisme en danger. On va retarder la guérison. On va s'exposer à une difficulté à laquelle on n'est pas exposé en temps normal. On peut même rentrer dans ces catégories-là aussi, comme l'ont fait les savants, quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui a une santé fragile, et que s'il jeûne, alors il va tomber malade. Donc ces catégories que je viens d'évoquer sont concernées par la permission leur permettant de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan, donc pendant le temps de leur maladie, et de devoir alors rattraper les jours manqués par la suite. Celui qui a une maladie légère ou une maladie pour laquelle le jeûne n'aura pas d'incidence. Il y a des gens qui sont malades, même s'ils jeûnent, ça n'aura aucune conséquence sur eux. Ça ne va pas aggraver la maladie. Ça ne va pas les mettre en danger. Ça ne va pas retarder la guérison. Et s'ils ont été fragiles, jeûner ne les met pas dans le risque de tomber malade. Et bien si c'est le cas, ils ne sont pas concernés par la permission et devront donc jeûner. Il est donc important de faire la distinction entre les maladies qui permettent de ne pas jeûner et les maladies qui ne permettent pas. Donc ce qu'on doit retenir de cela, c'est que ce n'est pas le simple fait d'être malade qui permet, les frères, on ne parle pas pendant la repas, on va commencer. Ce n'est pas n'importe quelle maladie qui permet de jeûner, de ne pas jeûner, pardon. Ce sont des maladies particulières, précises, comme on vient d'évoquer. Donc chacun doit être conscient de son état. Chacun doit savoir, on n'est pas né hier, on sait quel est l'impact du jeûne sur son corps, et on sait comment le corps il réagit quand il est malade. Donc on doit être conscient en premier lieu, et en second lieu on doit consulter des médecins de confiance. Il est important de préciser cela aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de médecins aujourd'hui, dès que tu leur parles de jeûne, directement, tu dis jeûne, jeûne,
ne jeûne pas. Comme si le jeûne était limite un mal. Alors qu'on entend de plus en plus aujourd'hui que le jeûne est préconisé comme moyen justement de guérir, comme remède. Et qu'on le préconise même dans certaines cliniques spécialisées. Donc comment est-ce que des médecins peuvent nous dire que le jeûne est un mal absolu quand en même temps dans le même pays, d'autres médecins nous disent que c'est un bien et qui permet aux gens de guérir. Donc il faut faire attention chez quel médecin on va. On connaît tous dans le quartier un médecin qui est assez négligent. Tu passes fois chez lui, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, j'ai mal au dos, d'accord, tiens, un peu de pommade, un peu d'oliprane et repose dans deux semaines. Même pas il t'ausculte, même pas il prend ton pouls, même pas il prend son stéthoscope, il fait rien. Ce genre de médecin-là, on ne leur demande pas. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il y a de plus en plus de médecins musulmans, des gens qui savent quel est l'effet du jeûne sur la personne. Parce que les médecins que nous on voit en général, la plupart d'entre eux ne sont pas musulmans. C'est des gens qui ne jeûnent pas. C'est des gens dont la plupart des patients ne jeûnent pas. Donc ils ne connaissent pas l'effet du jeûne sur la personne, et encore moins quand elle est malade. Donc il faut aller voir des personnes expérimentées, des personnes de confiance, des personnes avec lesquelles on est à l'aise, et on leur demande si oui ou non, voilà, je suis malade, j'ai telle pathologie, est-ce que je peux jeûner à votre avis ou non? Est-ce que je crains un mal ou non? Est-ce que? Donc ça, c'est la première des choses. La seconde chose, concernant le reste du verset, « Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ». Cette partie du verset fait référence à la base, comme le dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, aux personnes âgées. Les hommes et les femmes, lorsqu'ils arrivent à un certain âge, ils s'affaiblissent et n'arrivent plus à jeûner. Même si pas forcément ils sont malades, mais leur corps ne supporte plus le jeûne. Eux, bien entendu, ils sont excusés. Et ils n'ont pas à jeûner. Cependant, s'ils en ont les capacités financières, ils devront s'acquitter d'une rançon, on appelle comme ça en français, qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. On va revenir là-dessus un peu plus tard, inshallah. Donc ça, c'est des choses qui sont connues, alhamdulillah. Par contre, tous les ans, et ça c'est quelque chose de récurrent, qui se répète tout le temps. Même, on a même aujourd'hui, véridique, hein, on se fait contacter les imams par des cliniques, par des hôpitaux. On nous demande de venir dans les hôpitaux, parce que dans les hôpitaux, il y a toujours des musulmans âgés, 70, 80, sont malades. Ils sont faibles, mais ils veulent jeûner à tout prix. Le médecin vient et me dit, tu ne vas pas jeûner. Et il me dit, là, c'est le son. Il me dit, il faut que je jeûne, obligé, il faut que je jeûne. Si jamais je ne jeûne pas, c'est pas bien. Là, il faut que ces personnes comprennent que dans leur état, c'est pas qu'ils ne doivent pas jeûner seulement, c'est qu'ils n'ont pas le droit de jeûner. Et que si jamais ils jeûnent, et qu'en jeûnant, ils aggravent leur cas, voire même pire encore, ils meurent, ils seront responsables. Et ils seront dans le péché. Donc eux, ils ont voulu jeûner pour avoir des bonnes actions, et à la fin, ils se trouvent à avoir des péchés. Alors, les frères, tenez votre téléphone quand il y a comme ça. Alors, il ne faut pas que ces personnes persistent et insistent pour le faire. T'es âgé, t'es faible, t'es malade, tu ne jeûnes pas. Et si jamais, comme c'est la vieillesse, et on ne guérit pas de la vieillesse, eh bien, ils devront nourrir un pauvre à la place de chaque jour raté. Les savants, ils joignent aux personnes âgées, par rapport au verset évoqué précédemment, deux catégories concernant les femmes seulement. Ce sont les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a divisé par deux la prière pour le voyageur et le jeûne. Il peut le faire plus tard. Ainsi que, en plus du voyageur, la femme enceinte et la femme qui allaite. Donc oui, la femme enceinte et la femme qui allaite ont le droit de ne pas jeûner. Mais encore comme tout à l'heure, il y a des conditions. Ce n'est pas le simple fait d'être enceinte ou le simple fait d'allaiter qui permet de ne pas jeûner. Non. Il faut que la femme enceinte ait peur pour son fœtus, dans le sens où si jamais elle jeûne, elle met le fœtus en danger. Ou la femme qui allaite, elle ait peur qu'en jeûnant, elle n'ait plus de lait. Ce qui signifie que la femme qui, lorsqu'elle jeûne, ne craint rien pour son fœtus, ou la femme qui, lorsqu'elle jeûne, a la même production de lait, elle n'est pas concernée par l'excuse. Et elle doit jeûner. Et subhanallah, là on a deux opposés. Autant on a les personnes âgées tout à l'heure qui veulent absolument jeûner, même en se mettant en danger, autant on a les femmes, beaucoup les femmes aujourd'hui, dernièrement, les dernières générations, qui cherchent la moindre excuse pour ne pas jeûner. Alors que, jusqu'à la fin de ça très longtemps,
dans nos pays, et même les premiers musulmans à être venus en France, ils jeûnaient, les femmes jeûnaient toutes. Enceintes ou elles en étaient, elles jeûnaient toutes. Et alhamdulillah, leurs enfants sont nés en bonne santé, elles n'ont pas manqué de lait, parce que il faut remettre les choses dans leur contexte. Avant, les femmes, elles mangeaient des dattes, elles buvaient de l'eau, elles ne se nourrissaient pas beaucoup. Donc si jamais elles jeûnaient, tu pouvais craindre que le lait manque. Mais aujourd'hui, mashallah, tu vois suhoor avant le siyam, la table elle est remplie, tu vois le four après le siyam, la table elle est remplie, les gens ont tarawahi, ils rotent tellement ils ont mangé, après ils ont la peur, t'as peur de quoi, Mila Alek? On peut rester sans manger pendant des jours et des jours sans craindre de mourir, tellement on a de la graisse dans nos corps. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Comment ça se fait qu'avant des femmes, elles mangeaient 10 fois moins que les femmes qu'aujourd'hui, enceintes, elles, en allaitant, elles jeûnaient quand même, alhamdulillah, elles n'avaient aucune carence, le bébé se portait très bien, elles ne manquaient pas de lait pour les allaiter. Aujourd'hui, 2 semaines, elle est enceinte, elle ne jeûne pas. Oh subhanallah. Est-ce que la moindre occasion elle est permise pour s'abstenir de jeûner et pour délaisser les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Faut pas jouer avec la notion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On continue dans la lecture du verset. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Donc on devra rattraper les jours manqués plus tard. Donc celui qui est malade temporairement, quand il guérit après le ramadan, il rattrape ses jours. La femme enceinte ou qui allait, qui n'a pas pu jeûner pendant le ramadan, elle rattrapera ses jours manqués après le ramadan. Et il faut savoir que les personnes qui n'ont pas jeûné pendant le ramadan pour une excuse temporaire ont l'année entière pour rattraper leurs jours. Celui qui, sans excuse valable, laisse le prochain ramadan venir sans avoir rattrapé ses jours, sera pécheur. Il aura fait un péché pour sa négligence et il devra, en plus de rattraper les jours manqués, joindre en guise de punition une expiation. Une expiation qui consiste à payer, à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué d'un moud. Un moud, c'est l'équivalent en poids de 750 grammes approximativement, avec les denrées alimentaires consommées dans le pays dans lequel on est. Voilà la fikra. Et d'ailleurs, les pères, il faut savoir que ce qui concerne la fidya, la rançon pour les gens malades qui ne guérissent pas, ou les vieillards qui ne peuvent pas jeûner, ou la kafara pour ceux qui ont négligé le rattrapage de leur jour, doit être sortie en nourriture. C'est la limage obligatoire chez les savants. Et quand même certains le tolèrent de le donner en argent, il faut savoir que la grande majorité des savants ne le comptent pas s'ils donnent en argent. Tout ça là-bas. Mais ce n'est pas une kafara ni une fidya. Il faut le donner en nourriture. C'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala il l'a dit. D'ailleurs, pour les personnes âgées qui ne jeûnent pas, ou les malades qui ne peuvent pas jeûner toute leur vie, maladie incurable de laquelle on ne guérit pas, eh bien, il ne faut pas sortir la fidya avant le début du mois. Vous savez, beaucoup de gens se précipitent et la sortent maintenant. La khata, ce n'est pas permis de faire ça. Il faut attendre que chaque jour passe. Soit on la sort au jour le jour, on attend que le soleil se couche du premier jour, du second jour, et on la sort le jour, après le coucher du soleil. Soit on attend la fin du mois, et on peut cumuler les 29 ou 30 jours, et les donner en une seule fois, comme le faisait Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Donc voici pour les quelques règles que je voulais vous rappeler avant le début du mois de Ramadan. Et surtout, qu'on se rappelle tous que cette religion qui est la nôtre, il faut la prendre au sérieux. Allah dit dans le Coran, prenez ce qu'on vous a donné avec force, avec fermeté, sérieusement. C'est pas un jeu. C'est quelque chose de détaillé, ce n'est pas une plaisanterie. Allah Ta'ala, il reprochera aux gens de l'enfer lorsqu'il leur adressera des critiques et des reproches. Il dira, الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Ceux qui ont pris leur religion comme distraction et comme amusement. Et aussi, Allah Ta'ala dit, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Ne prenez pas les signes d'Allah, les versets d'Allah, les lois d'Allah comme raillerie, comme sujet de plaisanterie. Tu les vois les gens quand ils vont à la salle faire du sport. Il est là, il se met à dire, tu te fais faire moi, il dit, non, je suis sérieux, moi je ne parle pas. Quand il fait ses études et qu'il est sérieux, qu'il veut pas rater son examen, il passe des nuits. Moi j'y repose-moi un peu. Il dit non, je ne veux pas, c'est plus sérieux là. On a tous, dans notre microcosme, des sujets qui nous tiennent à cœur et pour lesquels on n'accepte pas qu'on rigole. On rigole pas, on ne présente pas. C'est sérieux là, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le sport, c'est l'école, c'est la santé. Ah oui, t'as le droit d'être
servir dans ce que tu veux toi. Mais quand Allah te demande d'être servi dans sa religion, là c'est bon, c'est pas grave. Ah, de toute façon, il y a une excuse. Ah, de toute façon, il y a une permission. Ah, de toute façon, je rattraperai quand je pourrais ou quand je voudrais. Mes frères, subhanallah. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça aujourd'hui avec le problème de la mosquée, enfin des mesures sanitaires. Vous êtes responsables. Vous avez des femmes, vous avez des filles. Parlez-leur. Quand vous rentrez chez vous, dites-leur. Ne jouez pas avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celles qui gênent parce qu'elles ne gênent pas parce qu'elles sont enceintes ou autres, alors qu'elles ne savent même pas en fait. Jamais elles ont essayé. Elles n'ont aucune expérience. Elles n'ont pas été voir des médecins, elles n'auront pas demandé. Essaye et tu verras, tu seras fixé après. Mais tu, de toi-même, tu prends des initiatives comme ça, là, ils tuent. Ce n'est pas permis. On ne rigole pas, mes frères. Là, c'est la réalité. Cette réalité à laquelle on sera confronté le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu seras debout devant lui, sans vêtements nus, sans vêtements, sans chaussures, pieds nus, incirconcis, tu verras une balance devant toi, et tu verras des actions, les bonnes et les mauvaises, et on les posera de chaque côté de la balance, et on les pèsera. Et nous poserons les balances de la vérité le jour de la résurrection. Aucune âme ne sera lésée. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Celui dont les balances seront lourdes, les balances de bonnes actions, ce seront eux les victorieux. Quant à ceux dont les balances seront légères, il n'y aura pas beaucoup de bonnes actions, alors ce sont eux qui se sont perdus eux-mêmes. Ce sont eux qui ont été leur propre perte. Et ce seront ceux qui seront en enfer éternellement. On plaisante pas, on rigole pas. Les choses correctement. Et on suit la religion comme Allah il veut qu'on le fasse. Et on ne fait pas les choses, on ne prend pas les choses à la légère, ou comme si c'était une distraction, ou un sujet de plaisanterie, ou d'amusement. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يأخذ هذا الدين بقوة وبعزم وحزم وجد وأن لا يجعلنا فيه من الغافلين اللاهين إنه ولي ذلك والقادر عليه. Avant de finir, juste un petit rappel concernant les annonces qui vous ont été faites avant le début de la khutba. Donc à partir de vendredi prochain, on va devoir faire, c'est une nécessité, ce n'est pas de notre par plaisir ou parce qu'on en a envie, mais c'est à cause de beaucoup de problèmes qu'on va devoir donc passer de 2 Jumu'ah à 3 Jumu'ah. Le premier aura lieu à midi et demi, le second à 1h15, le dernier à 14h. On demande aux personnes qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas prises par le temps de favoriser la dernière des 3 prières et de laisser les 2 premières aux personnes qui travaillent et qui sont prises par le temps. Pensez à vos frères, barakallahu fikoum. Si vous n'avez rien à faire, si vous ne travaillez pas, si vous avez des vacances, ou bien si vous avez des facilités par rapport au travail, laissez ceux qui n'en ont pas faire le Jumu'ah avant vous, barakallahu fikoum. À partir de vendredi prochain, inshallah ta'ala. Deuxième chose, concernant la rupture du jeûne, avant la faisait à la mosquée, maintenant on ne peut plus que ce couvre-feu. Donc à partir de ce mois-ci, ce sera au stade, au gymnase, pardon, Jacques Decourt. Entre 5h et 7h moins quart. Donc toute personne qui veut participer au financement des repas, elle est bienvenue, elle est bienvenue, et en sachant que toute personne qui rompra le jeûne par sa cause, eh bien il aura la même récompense que lui. Et enfin, donc on vous a parlé, donc vous avez vu en passant que les travaux ont commencé sur l'aire destinée aux travaux à côté de la mosquée. Donc bien sûr, vous savez tous les ans, pendant le Ramadan, grâce à Allah, puis ensuite, par la cause de vos dons, eh bien, nous pouvons, grâce à Allah, financer ces genres de travaux-là. Mais malheureusement, l'année dernière, on ne peut pas faire travailler, et cette année non plus, malheureusement. Et ça ne veut pas dire pour autant que les aumônes n'ont pas lieu non plus. Donc profitez de ce mois-ci pour faire des aumônes, pour honorer la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour participer à ce projet qui est important, pour que, bi'idhnillah, jour de la résurrection, vous trouviez dans vos balances les bonnes actions, que tous les élèves et toutes les personnes qui ont pu en profiter après que cet édifice ne soit construit par votre cause. Vous en profiterez vous aussi. فنسأل الله تبارك وتعالى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يغفر لنا ويرحمنا وإذا أراد بعباده فتنة قبضنا إليه غير مفتونين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.